Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le forum de Girondins TV. Comme toutes les semaines, on va refaire l'actualité du football, plus particulièrement celle des Girondins de Bordeaux en compagnie d'Alain Baudron de FM. Bonjour Alain. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour monsieur. Denis Grandjou, RTL. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous vous connaissez? Bon, c'est aperçu, ouais, dans différentes conférences. Mais on évite de trop se côtoyer. Hein. Ah bon? Ah bah non, on va s'éviter. Il y a des divergences de vues ou quoi? La concurrence. On est obligé d'avoir des divergences. Non, mais on se dit bonjour, on reste urbain, mais en même temps, c'est chacun chez soi. On essaye de. Bah c'est sympa, il va y avoir une bonne ambiance autour de la table. Ah, c'est à l'image des performances du club. Je vais peut-être organiser un petit repas à la maison. Un peu de combat. Il faut un médiateur. Voilà, très bien Manu. Parfait, c'est pour moi. Allez, je prends le rôle à cœur. Bordeaux-Valenciennes, on va en parler évidemment. On va revenir sur ce match nul. Et les pronostics de Denis Grandjou, c'était quoi? Non. Qui était une victoire, allez, 5-0. Non, j'avais dit 2-1 pour Bordeaux et on aurait pu l'avoir. C'est vrai. Mais on aurait aussi pu avoir 2-0 pour Valenciennes. Avec un pénalty validé, concrétisé, ça aurait été le score. Mais c'était le score et j'avais et personne ne me chambrait. C'est fou comme quoi on passe vite fait rapidement du statut De pronostiqueur en chef à celui de. J'allais dire loser, non, je n'ai pas le terme. Bah, si, mais, ça non, peut dire. Du tout. Non. Si, on peut Allez, le dire. Bordeaux-Valenciennes, on va revenir dessus. On va parler aussi d'Alou Diarra, les primes de la Discord. Alou Diarra qui a tenu une conférence de presse, vous l'avez suivi sur notre antenne cette semaine pour mettre les choses au clair. Quoique, nous allons parler aussi de l'équipe de France. La liste, on la connaît depuis hier, celle de Laurent Blanc et Jean-Luc Gasset. Il n'y aura pas Benoît Trémoulinas. On va aussi se projeter sur Bordeaux-Nancy, bien évidemment, 13e journée de Ligue 1. On commence avec ce Bordeaux-Valenciennes. Un match nul. C'est presque ouf, messieurs, parce que jusqu'à la 70e minute, hein, même un peu plus, on semblait. C'était une première mi-temps, mais alors là, je crois que là, on a touché le fond. Là. Je crois qu'il y a des regards qui ne trompent pas en tribune de presse. On se regardait tous, mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Avec un temps un peu plus interrogatif, le néant, rien, absolument rien. Et puis après, en deuxième mi-temps, il fallait de toute façon à un moment donné réagir. Et moi, finalement, je reste sur l'impression plutôt positive de la fin de match, où il y a beaucoup d'occasions, où Bordeaux aurait pu l'emporter, où on sentait vraiment... On va vers l'avance, un peu du hurrah football, mais enfin, on voyait quelque chose. Et deux, trois minutes de plus, je pense que les Valenciennes ont été KO physiquement, ils n'en pouvaient plus, et Bordeaux aurait pu l'emporter. Bon, c'est facile à dire après, mais j'ai envie de rester sur cette image-là, même si la première mi-temps, quand même, elle a eu du mal à passer aussi. C'était costaud, mais c'est vrai, une fois encore, Alain, qui a eu un Bordeaux à double visage. Oui, il parle de première mi-temps, moi je dis 60 minutes, hein, oui. Parce qu'il n'y a que la dernière demi-heure où on a été mieux, notamment quand ils ont commencé à faire leur changement derrière, parce qu'ils n'ont quand même pas été épargnés, ils ont changé, sur les 4 de derrière, ils en ont changé 3. Donc ça a un peu déstabilisé leur défense, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont eu des difficultés à endiguer les vagues bordelaises en fin de match. Mais oui, moi j'ai l'impression qu'on se répète. Hein. Chaque semaine, on dit toujours les mêmes choses. Contre Monaco, on a dit ça. Contre Brest, on dit ça. On dit toujours pareil. Mais personne n'a le remède. Au mois de septembre. Ouais, mais soit complètement honnête avec les abonnés. On a enregistré cette émission. C'est-à-dire, moi, je sais plus quoi dire, Emmanuel. Alors, je vais essayer dans le sens effectivement, parce que je suis toujours le petit canard qui trouve tout de négatif. Oui, je vais aller dans son sens. On va retenir la dernière demi-heure. Allez, on va être positif. Merci Alain. On va être positif. Et moi, le côté positif que je trouve, c'est qu'il y a un garçon qui est beaucoup critiqué. On a dit, c'est peut-être pas le joueur qu'il nous fallait, c'est Mazou. Je trouve que quand il est rentré, il a apporté du dynamisme au groupe. Et on voyait qu'il avait envie de tenter des choses. C'est peut-être là la clé. Mettre des joueurs qui ont envie plus que d'autres. Messieurs, j'ai un scoop. Mazou, hier, sur ce plateau, a dit que nous serions champions d'automne. Ah, mathématiquement, c'est possible. Oui. S'il reste 5 journées. Puisque, oui, non, 6. On est 13. 13. 6. De la 13 à la 19, donc oui. Oui, mathématiquement, c'est possible. Mais il va falloir gagner tout. Hein. Champion d'automne, ça a de la gueule, ça, Denis? Ah oui, ça a de la gueule, oui. Enfin, l'année dernière, on avait été champion d'automne aussi. Hein. Bon, surtout quand on est 10e, je crois qu'il faut déjà battre Nancy, je pense. Après, voir. Mais je crois pas, on peut pas se projeter pour être champion d'automne, Bordeaux. Puis même, à quoi ça sert, toi, champion d'automne? On l'a été l'année dernière. Ouais, mais bon. Avec 9 points d'avance. Ça sert à quoi? Rien. À rien. Donc, je préfère qu'ils le soient pas et qu'ils continuent leur petite remontée. Bon an, mal an, ça sera compliqué, mais après être champion d'automne, peut-être que pour eux, ça leur fera plaisir. Mais visiblement, Moussa Mazou, lui, ça lui tient à cœur. Peut-être pour la confiance. C'était un déclic. C'est le premier but, c'est le déclic. À Monaco, c'est pareil, j'attends un petit peu. Pour en venir à Mazou, il a été sifflé aussi par le public. Oui, bien sûr.